Yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 12 200 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 28 mars, direction Chantilly. Plat 1300 mètres, 16 partants, PSF. Attention, risque de grosse cote à l'arrivée pour ce quintet très ouvert. En parlant de grosse cote, wow, l'arrivée de malade à Marseille-Borély. Par contre, le 4, là, Calascat Guess, je le sentais pas, j'ai bien fait. Il est parti au galop dès le top départ. Tous les favoris ils ont déçu. Non, c'était une arrivée remplie de tocards, de fou. Oh lolo. Ok, bon, bah, on commence avec le numéro 1. Fastidius, ses 4 dernières sorties, 4 échecs. Ce cheval a vraiment besoin de nous rassurer avant de lui refaire confiance. Outsider. Le numéro 2, Time to Fly. Quelle régularité! Il fait quasiment toutes ses courses. Il a carrément gagné lors de sa rentrée. Il va encore tout donner. Énorme win! Le numéro 3, Red Torch. Il n'arrête pas de repousser ses limites. Cheval régulier et courageux qui aime pratiquer la course d'attente. Il a une belle chance dans ce quintet. Le numéro 4, As to Track. Pour les attentistes, il est vrai que plus il y a de partants, plus ça se complique. Il lui faudra le bon parcours pour pouvoir se mettre en évidence. Non placé lors de ses 2 dernières courses, méfiance cette fois-ci. Le numéro 5, Parigote. Elle vient de gagner un quintet à 27 contre 1. Cette fois-ci, deux paramètres changent. Elle prend 2,5 kg de pénalité et son numéro de corde sera moins avantageux cette fois-ci. Ça se complique pour la gagne, mais elle garde une chance pour les places. Le numéro 6, Zavrinka. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de décembre, mais son entraîneur nous dit qu'elle a du travail derrière elle. À noter qu'elle aura prochainement un meilleur engagement face aux seules femelles. Le numéro 7, Falco de la Villière. En 8 quintés, il est 6 fois placé et il en a gagné un. Encore une fois, il va donner son maximum, on le garde. Le numéro 8, Bo Massago. Il reste sur 5 échecs consécutifs, mais cette fois, il a tiré un bon numéro de corde et sur 1300 mètres PSF, les numéros de corde ont leur importance. Surprise possible. Le numéro 9, River Keynes. Elle aime la distance. La dernière fois, elle n'a rien pu faire sur le tracé particulier de Fontainebleau. Mais juste avant ça, elle avait enchaîné une troisième et une première place. Elle peut tout à fait remettre les pendules à l'heure ce jeudi. Le numéro 10, French Béret. Ce cheval est un nouveau venu chez Christophe Ferland, qui est son entraîneur. Ça va être un test pour lui afin de savoir s'il a le niveau d'un tel handicap. Ce sera donc tout ou rien. Le numéro 11, Bel Ace Ball. Il aime le sable, il est très régulier. Il n'est pas sorti des 3 premières places lors de ses 5 dernières courses. Il a un bon numéro de corde, tout est réuni pour le voir à l'arrivée, c'est oui. Le numéro 12, La Magicienne. Elle revient sur une distance qui l'avantage et qui l'arrange. Elle aime partir très vite dès le départ et se placer avec les chevaux de tête. Et sur 1300 mètres, sa technique peut s'avérer payante. Attention à elle. Le numéro 13, Gone Solo. Le niveau a l'air vraiment relevé pour ses réelles aptitudes. D'ailleurs, à ce niveau, il n'arrive pas à se mettre en évidence. Ce serait vraiment une surprise de taille de le voir à l'arrivée. Le numéro 14, Sid Walk. Seulement 5 courses pour cette jeune pouliche et 100% à l'arrivée. Elle progresse de course en course. Elle aura l'un des plus petits pois et Maxime Guyon sur son dos. On la garde! Le numéro 15, Charnock Richard. À ce niveau, ça se complique. Son très mauvais numéro de corde ne va pas l'arranger. Il lui faudra vraiment un parcours en or pour pouvoir accrocher une place. Ça va pas être facile pour lui. Le numéro 16, Baby Voice. Dans ce quintet, sa marge de manœuvre est réduite. Elle reste sur 2 échecs. Son entourage est confiant pour une petite place, mais pour elle aussi, ça va pas être facile. Outsider. Le pronostic, ça donne 2, 3, 7, 11, 14, 9, 12, 5. Cheval de complément, le 4. Si jamais il y a un autre, nous partons. Et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!